suis en France, on me convoque à la préfecture. À Lyon. D'accord. Ça faisait combien de temps que tu étais arrivé en France? Je suis arrivé en France au mois de février 1969. 69. Après avoir passé 9 mois au Cameroun. 9 mois au Cameroun. Donc, on me convoque à la préfecture. À Lyon. À Lyon. En 70. 1970. Quel mois? Ça devait être le mois. Faisait-il froid ou faisait-il beau? Non, il faisait beau. Il faisait beau. Donc ça veut dire que c'était au printemps. Oui. Au minimum 6 mois après ton arrivée. Voilà. C'est pour se situer, oui. Donc, à partir de ce moment-là, je signais tout le mois. Pardon? Je signais. Il fallait signer à la préfecture tous les mois. Tous les mois. Tu as signé à BM au Cameroun tous les jours, maintenant tu viens signer en France tous les mois. Que je me tiens tranquille. Tous les mois. Tous les mois, il fallait signer à la préfecture. Que je me tiens tranquille. Oh là là, Jésus-Marie-Joseph. Que je me tiens tranquille. Je signe, je signe. 70. C'était dans le bureau. Les responsables étaient Le Pen. Il s'appelait Le Pen, Monsieur Le Pen. Monsieur Le Pen. Oui. Ah, d'accord. Il faisait la paix, quoi. Vous allez attendre aujourd'hui. Je suis venu pour vous parler. C'est pour stimuler les Camerounais dans leur doute. Qui ne prend pas ça au sérieux. À ceux qui veulent prendre au sérieux ou bien qui ne prennent pas au sérieux. Non, ceux qui veulent, ou bien ils sont, ou les agents envoyés, parce que certains me disent, le pouvoir a délégué les gens là-dedans pour saboter, pour faire ceci, pour faire cela. Il faudrait quand même qu'ils fassent attention, qu'ils tuent. D'accord, maintenant tu signes. Non, je signe tout le mois, tout le mois. Mais on t'a d'abord laissé vivre là presque 6 mois sans te faire signer. C'est vrai que si tu étais dangereux, tu aurais pu commettre ce que tu voulais commettre. Quand même bizarre. Bon, ben, tous les mois, tu signes. Tout le mois, je signe. Jusqu'à ce que Mitterrand arrive au pouvoir. Donc, tu as signé de 1970 à 1981. Oui. 11 ans. Tous les mois, tu signes. Tous les mois. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes là. 11 ans. Il y a 12 mois par an. Bon, fois 10, ça fait 120 mois. Et donc, tu as signé près de 140 mois. Tous les mois. Oh. Mais c'est pas fini, cher ami. D'accord. Les Camerounais vont maintenant comprendre que ils peuvent se libérer s'ils ont vraiment envie. Ils peuvent. Donc, ma femme me rejoint en 71. Attends, lui doit donner son prénom. Antoinette. Elle s'appelle Antoinette. Catherine Antoinette. Elle s'appelait. Elle s'appelle. Ou elle s'appelle, je ne sais plus. Mais pourquoi tu es pressé? Je vais comprendre. C'est la même maman que je vais trouver à Lyon. Non, c'est pas la même. D'accord. C'est que tu vois à Lyon, elle est française blanche. Et ses prénoms comment? Anne. Période. Bonjour, bonjour Anne. Oui. J'espère que vous allez bien. J'arrive, hein. Donc, elle accouche. Mon premier fils qui travaille au Parlement européen. La première épouse. La première épouse. Antoinette. Antoinette. D'accord. Parce que l'enfant est né le 6. Le 4-6. 73. 73, d'accord. Oui. Il y a de cela bientôt 46 ans. 46 ans. Bientôt il aura 46 ans. En 1975, je demande à mon épouse d'aller montrer l'enfant à la famille. Oui. L'enfant a donc 3 ans. 3 ans. Donc, 2 ans. Non, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Donc, il est parti au Cameroun. Plus aucune nouvelle. Plus jamais revenu. Laisse-moi venir. Plus aucune nouvelle. Plus aucune nouvelle. Mais j'ai demandé à ma famille, qu'est-ce qui se passe? Même nous, on ne sait rien. On l'a pas vu. Non, non, on la voyait. La famille venait la voir avec le bébé tout le temps. Mais ils ne savent pas pourquoi. Elle ne remonte pas en France. Voilà. C'est que, une fois que la femme avait mis le pied sur le sol camerounais,
les autorités camerounaises, sur un jour, étaient au courant que ma femme est venue. Mm-hmm. Ils ont annulé le mariage. Attends, les autorités camerounaises ont annulé ton mariage. Un mariage fait en 1968 est annulé. Non, non, en 1969. 69. Le mariage était fait en 1969. Début 69, alors avant que tu ne partes. Oui, va bien. D'accord. On l'annule en 1975, 6 ans après. Oui. Aucun motif. Aucun motif. Donc on annule ton mariage, c'est la dictature ici, on annule ton mariage. Tu n'es plus marié. Je ne suis plus marié. D'accord. Je suis là, je suis au courant de rien. De rien. Déjà, tu t'es interdit de séjour, de quitter le territoire, sans être au courant. Maintenant, on a annulé ton mariage, tu n'es pas au courant. Je ne suis pas au courant. D'accord. Donc, les gens de l'ambassade de Cameroun, qui venaient toujours aller faire des réunions, un samedi, il y avait une réunion de l'UNC. L'UNC, l'UNC, c'est l'ancien parti au pouvoir, l'Union des populations du Cameroun. Le parti d'Aïdjo. Le parti d'Amadou Aïdjo, remplacé par le RDPC aujourd'hui. Voilà. Voilà. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout. Celui qui était à la tête de la section dans le Rhône était un ami. Comment s'appelait-il? Je ne sais pas si d'autres sont, mais il vit. Il est encore. Parce que j'ai connu Marc Mombet de la Marie, qui était à Paris, qui est décédé maintenant. Je peux le citer car il est décédé. Mais celui-là, il vit encore. D'accord, je vais pas le citer. Mais toi, le pauvre. Donc, il est venu me voir. Il me dit, il faudrait que tu assistes à cette réunion de l'UNC. Oui, parce que c'est sur toi. D'accord. Par contre, le consul, tu le cites. Il s'appelait Tangamessi. Tangamessi. Oui. Et il est tué en vie? On me dit qu'il était mort. Même s'il était en vie, je le citais. Car il était du bon côté. On va dire ça comme ça. Donc, alors, on me dit, il me dit, il faut que tu viennes. Mm-hmm. Mais je vais te donner un faux nom. Il m'a donné le nom Cassava Jean. Jean Cassava, Jean Manioc, quoi. Ou le Manioc, Jean Manioc. Comment, pourquoi tu aimes le Manioc? Oui, ouais. Jean Manioc. Donc, je suis venu, j'ai assisté. Après, on commence la réunion. Le consul, il sort. Donc, il dit, toute personne qui prend la parole va d'abord dire dans quelle cellule il milite. Mm-hmm. Quand j'étais pas militant de l'UNC. De l'UNC, de quel parti. Tu n'as pas pris la parole, tu as juste écouté. À un moment donné, j'ai pris la parole, il m'a donné. Mais j'ai brouillé. Parce que c'est pas ces gens-là qui peuvent me dépasser, quand même. J'ai brouillé, j'ai commencé à dire, mais le Cameroun, c'est un pays, machin, c'est là. Tu es allé dans leur sens, quoi. Et comme ça, il a oublié de me demander, mais tu me dis dans quel cellule. C'était pour le brouiller, pour qu'il ne me pas dans quel cellule j'étais. Bon, comme il m'a laissé parler à ce moment-là, il m'a laissé parler. C'est là que je lui ai dit. Il lui dit, ben, écoutez, je ne comprends pas. Vous venez demander aux Camerounais pourquoi ils ne soutiennent pas fortement l'UNC. Mais c'est à nous de vous demander pourquoi l'UNC n'est pas bien soutenu à Lyon. Ben, je vous dis pourquoi. Quand on vous demande le passeport, un Camerounais vous demande le passeport, vous ne le donnez pas. Un Camerounais vous demande la carte d'immatriculation. Vous ne donnez pas. C'est ce qu'on appelle carte consulaire aujourd'hui. Aujourd'hui. À l'époque, on appelait sa carte d'immatriculation. Vous ne donnez pas. Et vous voulez que les Camerounais s'engagent derrière l'UNC. Et puis, il me regarde comme ça. Et puis, je dis, quand même, sans Dieu. Mais tu as lutté toute ta vie. Au fait, je veux dire, Cassava, Jean. Ah non, non, non. Je m'appelle Saint-Dieu François. Il est quoi? Saint-Dieu François. C'est sur toi qu'on faisait la réunion et tu donnes ton nom alors qu'on n'a pas encore l'estapage. C'est là qu'il dit, mon Dieu, c'est le grand rebelle de rebelles. C'est ça que je cherchais. C'était le samedi. Et le lundi, je suis allé à la préfecture.
là où je suis tout le temps, je me tiens tranquille. Je suis entré au bureau de monsieur Le Pen, c'est son nom. Je demande d'abord pardon aux Camerounais, parce que ce que je veux dire pourrait choquer certains. Non, de vous. C'est parce que c'est comme ça que je me suis présenté dans la lutte que je menais. Et grâce à cette lutte que je fais partie de Dieu. Donc, comme je suis là pour restituer les choses dans le vrai contexte, il faudrait que je restitue le langage, le même langage que je tenais à l'époque. À l'époque, oui. Bon, voilà pourquoi je vous demande pardon. Parce que certains croiront que je fais ça pour choquer. Non, non, c'est pas pour vous choquer. Je vous demande pardon. Donc, j'allais de d'abord, monsieur Le Pen. Il est monsieur Le Pen. Vous, le bon plan, là. Vous croyez que vous êtes des gens très intelligents et que nous, les nègres sauvages, nous sommes là pour subir tout le temps. Mais si vous voulez me tuer, pourquoi ne pas me tuer? Je suis en France. Je vais chaque mois signer que je me tiens tranquille dans son bureau. Pourquoi vous avez envoyé un rapport à l'ambassade de Cameroun que je suis un grand rebelle? Ça veut dire quoi tout ça? C'est là qu'il m'a regardé et a dit, écoutez. Ce programme vous est proposé par Devisio Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.devisio-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Je n'ai en fait aucun rapport. Je ne croyais pas que c'était un grand monsieur à la préfecture. Je croyais que c'était un petit. Mais je savais que c'était un grand type bien après. Il me dit, je n'ai envoyé aucun rapport sur vous à l'ambassade. Je vous assure. Il dit oui. Est-ce que vous pouvez écrire? Il dit oui. Écrivez-le. Il a écrit, il a signé, il m'a donné. Le mardi, je prends mon train, j'arrive à l'ambassade de Cameroun. C'était à Longchamp. À Paris. Voilà. Parce que j'ai jamais mis le pied dans la nouvelle ambassade. J'ai jamais mis le pied. D'accord. J'arrive à Longchamp, je demande au bureau de monsieur. Son nom, c'est quoi encore? Monsieur l'ambassadeur ou du consul? Non, d'abord le consul. Tangamessi. Tangamessi, d'accord. Il me reçoit. Je dis Tangamessi. Qu'est-ce que vous avez dit samedi? Que je suis un grand rebelle? Il dit oui. Il sort le texte, un texte qui venait de Yaoundé. Il y avait deux noms dessus. On peut les citer? L'autre nom, je ne sais, je n'ai jamais su comment allait la personne. C'est un nom bamdiké. C'était quelque chose de chauffard, des trucs comme ça. Je suis incapable de vraiment. D'accord, et le premier nom? C'était moi. Il y avait deux personnes à surveiller de près. À surveiller de près sur le territoire français. Oui. Deux Bamiléké. Dis donc, ça ne s'arrête pas, hein. C'est toujours eux qu'on suivait aujourd'hui. Mais comment? Donc, il sort ce télèse et il me dit, voilà, le télèse que j'ai reçu de Cameroun. Mais je regarde. Mais je dis, mais écoute, je crois que vous êtes malade. Mot à mot, hein. Parce que je vous dis, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu peur. J'ai aujourd'hui la barbe qui est blanche là. Vous me voyez bien. Je regarde Tangamessi. Je dis, monsieur, vous savez ce que c'est la politique? Il me dit oui. Et la politique, c'est pour quoi faire? C'est pour organiser la cité. Pour le bien-être de la population. C'est pour organiser le pays. Pour le bien-être du peuple. Mais chez nous, les nègres sauvages, la politique, c'est pour couper la tête de son frère. Parce que le blanc nous l'a demandé. C'est pour ça que je ne fais pas la politique.
Mais quand vous avez demandé à la France de me surveiller, la France fait son travail. Au contraire, c'est la France qui vous demande de couper la tête des nègres. Chaque mois, je me pointe à la préfecture, je suis, je sors, je m'en vais. Tangamessi, au moment où je parlais avec Tangamessi, le téléphone sonne. C'était sa femme qui nous disait, l'enfant est très malade. L'enfant est très malade. Viens vite. Parce que l'enfant avait 42 de fièvre. Voilà. Tangamessi est sorti, il n'avait pas d'argent. Il est sorti pour aller au deuxième étage, là où il y avait la trésorerie, pour demander un acompte. Il va, on le dit, on va demander au ministère des Finances. Voilà. L'enfant a le temps de mourir, quoi. Voilà. Il est descendu, il était en colère, il commence à parler, comme ah, qu'est-ce que c'est mon enfant. Et puis, je l'ai engagé, écoute. Puisqu'on vous a dit que je suis un grand rebelle, donc Macky Sall, d'après vous, si vous n'avez pas peur de Macky Sall, allons chez vous. Je vois ce que vous en faites. Il m'a regardé et dit, viens. Comme ça, j'arrive, je vois l'enfant, voilà, l'enfant brûlait, hein. ça brûlait l'enfant. Et j'ai demandé une bassine. Et avec de l'eau tiède, où j'ai trempé l'enfant doucement, pour faire baisser la température. Et après, donc, j'ai sorti l'argent pour donner à l'enfant pour aller chercher le médicament. Nous sommes retournés à la Massane. C'est là que Tangamessi me regarde. Il dit, mais c'est maintenant que je comprends comment les enfants, les sauveurs du peuple camerounais sont chassés. Il te dit cela? Oui. Avec le titre de Macky Sall, de rebelle, de ceci. C'est là qu'il m'a dit, tu sais que ton mariage est annulé. C'est là qu'il t'informe que ton mariage a été annulé. Quand tu as sauvé son fils. Oui. Je dis, pardon. D'accord. Il me dit, oui, ton mariage est annulé, monsieur. Je dis, mais comment tu le sais, toi? C'est là qu'il sort, il tire son tiroir, il sort. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs comme aujourd'hui. Pour celui qui connaît la Massane de Longchamp, en haut, c'est-à-dire quand tu montais un peu, il y avait une grande librairie. J'ai pas connu, je t'ai pas né, moi. D'accord. Je suis gamin, hein, j'ai l'âge d'un petit. Oui, c'est vrai. N'oublie pas, tu m'appelles ton fils. Oui, c'est vrai. Donc, il y avait une grande librairie en haut. Bon, c'est là-bas qu'on partait faire les photocopies. D'accord. Donc, il m'a donné... Le lot des documents qui annulent ton mariage. Oui, mais c'était officiel, c'était pas un truc, c'était vraiment officiel. Il m'a donné ça pour aller faire la photocopie. Il n'a pas le droit, mais il l'a fait. Mais c'était vraiment sa reconnaissance de ce que je venais de faire pour son enfant. Donc, il y a un copain, il est mort maintenant, il est mort au Cameroun. Ce copain s'appelait Zaché. Tchamba. Zaché. Il m'a accompagné, puisqu'il conserve à Paris. Il m'a accompagné. Mais le consul, à un moment, je crois qu'après nous, il a pris peur que je ne parte avec... Tout le document. Il a envoyé quelqu'un? Non, lui-même. Il vous a suivi. Et c'est Djamba qui m'a dit, mais le consul, il nous surveille de loin. Mais je lui ai dit, quoi? Ça le fait d'elle, il n'a qu'à nous surveiller. Bon, nous sommes arrivés à la librairie, on a fait la photocopie, et puis je suis venu, je lui ai donné l'original, qu'il a gardé. Je lui ai dit, voilà. Vous avez compris maintenant que je ne suis pas là parce que je n'aime pas mon pays. Non, on m'a chassé de mon pays. Et
qu'on vient comme m'emmerder, comme toi, je suis un grand rebelle, je suis un grand rebelle. C'est là qu'il me dit, ben, vous pouvez aller voir l'ambassadeur. Je suis monté au bureau de l'ambassadeur. Et asseyez-vous, je suis assis. Il dit, quel est votre problème? Et si vous venez vous dire, mot à mot, comme je vous dis là, si vous venez vous dire, monsieur, vous êtes l'ambassadeur? Il me dit, oui. Je vous comme ça, l'ambassadeur. Il me regarde comme ça. Et puis j'ai rigolé. Il est vraiment nègre sauvage, ambassadeur. C'est comme ça que je te parlais. Toi, tu vas entendre aujourd'hui. Oui. Et je dis, monsieur, vous êtes ambassadeur. Vous représentez le peuple camerounais. Ou la nation camerounaise, plutôt. Et vous le marmenez à ce point-là. Voilà mon mariage annulé. Il a regardé. Tu dis ça là. On appelle ça comment? Des gens civilisés. Il dit, vous savez, on annule un mariage qui n'est pas consommé en droit français. Quand le mariage n'est pas consommé, on peut l'annuler. Il n'y a pas de divorce. Un mariage consumé où il y a un enfant, on passe par le divorce. Il me dit, vous pouvez écrire ce que vous me dites là. Il dit oui. Je suis allé chez ma soeur. J'ai passé une nuit à écrire ce que je vous raconte là. L'endemain, je suis venu, je l'ai remis. Il a lu. Il m'a dit, je vais envoyer par courrier diplomatique. Il m'a donné le numéro de référence. Il m'a salué. Il m'a dit, s'il y avait deux Camerounais comme vous, notre pays pouvait espérer. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Voilà comment je suis rentré chez moi. Je rentre donc chez moi. À Lyon, on est bien compris. À Lyon. Je téléphone donc à ma famille. Il m'a dit, allez maintenant voir Antoinette. Ce qui se passe. Et c'est comme ça que... Elle aussi, la pauvre, découvre son mari était annulé. Elle savait, elle t'avait pas dit. Elle savait, elle était jeune. Elle était jeune, sa famille l'a étouffée parce que la famille était fonctionnaire. Le père était le serveur de PTT. Bon, donc, dans un petit coin comme parenté, c'est le haut fonctionnaire, ça. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé si tu étais le fils du gouverneur de Moifaux Gabriel. Peut-être son fils caché, je ne sais pas. Moifaux Gabriel, et c'est lui qui était préfet. Préfet d'Undé à l'époque. À l'époque, là. Donc, ça veut dire que ça faisait une petite équipe. Une petite équipe. Là, comme mon oncle était mort, bon, donc il ne faisait plus partie. Il ne faisait plus partie. Parce qu'il était mort. Donc c'est à travers ces gens-là que Aïdjo avait su mais que ma famille est là. Mais c'est de par eux, parce que bien là. Bon, donc... On va voir Antoinette. Antoinette, je suis resté tranquille. Qu'est-ce que tu peux faire? Je n'ai pas d'autre solution que de rester tranquille. Donc, j'avais réfléchi, je dis, bon, cette fois-ci, je crois qu'ils ont... C'était le mot de Bia. Parce que quand le pote Bia là, il venait voir ses copains, il discutait entre eux, j'étais là pour écouter leur conversation, parce que c'est comme ça que j'apprends. J'apprends aussi, même chez les tout petits, j'apprends tout le temps. Donc, Paul Bia avait dit dans l'une de leurs conversations, dans la vie, il faut toujours avoir une ligne rouge. Si la lune est rouge est franchie, il faut agir. J'avais gardé ça. C'est Bia qui avait dit ça à ses amis, tu l'avais saisi. Oui, et j'avais gardé la mémoire. Donc,
À partir du moment où j'avais maintenant la preuve que mon mariage est annulé, j'ai dit, bon, cette fois-ci, ils ont fait de moi un rebelle. Ils verront ce que c'est, un rebelle intelligent. J'ai donc écrit à Amadou Ahidjo. À Amadou Ahidjo. Je ne sais pas si c'est lui qui disait ces lettres, si tu es capable de lire une lettre. Ça, c'était en quelle année, ça? Mais c'était en 77, deux ans après qu'Antoinette soit retournée au Cameroun. Oui. D'accord. Tant. 77, il ne faut pas que je me trompe. 78 par là. Mm-hmm. Oui, 78 par là. C'est là que... Aïjo, je ne sais pas si c'est lui qui lisait les lettres. Voilà Antoinette qui vient passer les vacances en France. Elle revient en France passer les vacances. Oui. À ce moment-là, elle est maintenant avec les gens d'en haut. Les gens d'en haut. Quand tu es connu et que tu es intelligent, tu peux te battre. Je vous dis, peuple camerounais. Antoinette vient passer les vacances. Je suis chez moi, quelqu'un frappe à la porte. C'était le même appartement où vous viviez ensemble à l'époque. Oui, toujours. D'accord, elle frappe à la porte. Je n'avais jamais cherché. Un peu lisse. Je n'avais même pas bougé le lit de bébé chez moi. Tout était... Intact. Intact. Depuis... Intact. Intact. Ce que je vous dis là, intact. Était-elle avec l'enfant ou toute seule? Mais l'enfant est avec là-bas, l'enfant est au Cameroun. Non, donc elle vient en vacances seule, c'est l'enfant. Non, elle vient en vacances pour, mais comment? Pour faire sa Java. Mm-hmm. Et elle toque à ta porte. Bah, elle, un ami. Un ami à toi. Un ami à moi qui est venu à Paris, passer le week-end à Paris, qu'elle a vu dans une fête. Oh, d'accord. Qu'elle a vu dans une fête. D'accord. Et elle a dit à sa femme, mais ce n'est pas la femme de Saint-Jean-François, ça? Elle dit, regardez, mais oui. C'est elle. Elle s'est levée. Parce qu'elle se connaissait. Elle a salué. Elle a fait comme si. Comme si elle la connaissait pas. Mm-hmm. Et ils ont dit, ah, peut-être. Ça va être. Mais le monsieur qui l'a amené en boîte. Mais, elle a dit aux autres, mais non, elle ne parle qu'un mot bambéki. Mais quand ils sont rentrés à Lyon, le lendemain, le mari qui est venu me voir, pour me dire, j'étais à Paris, dans une fête comme ça, et puis on a vu une dame. Je ne sais pas si c'était pas Antoinette. Il était avec telle personne. Les deux sont à Paris, là. À Paris, là. Et elle était avec telle personne. Je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Et d'accord. Et deux jours après, je me rends à Paris. Je suis allé à l'ambassade. Et là, vous pouvez me rendre service. Vous pouvez chercher le nom de telle personne. Ils ont cherché. Ils m'ont donné... Son identité réelle et tout. Voilà. Et l'adresse. Sans savoir que... Sans savoir pourquoi j'ai demandé l'adresse. Je suis allé. J'ai sonné. Je crois qu'elle m'avait vu. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas ouvert. Donc, je voulais être sûr que c'était elle. Je suis allé au café pour essayer de voir si c'était vraiment... Dans le café, j'étais assis dans le café. Puis je l'ai... Je l'avais vu en train de faire le ménage. Il est à cette heure. C'est parti. Bien, nous allons poursuivre. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.